fais souvent du pouce? De temps en temps. Toi? Non. Ben, j'en faisais quand j'avais pas d'auto. Ça doit être pour ça que j'arrête pour embarquer du monde, maintenant. Ou bien parce que t'es un gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est rare les femmes qui arrêtent. Si j'étais une femme, j'arrêterais pas embarquer une fille, moi. T'embarques-tu rien que les filles? Non, mais je... pour être franc, je te dirais que les gars, ça me stresse un peu. Toi, t'étudies en quoi? J'ai pas encore choisi. Ah! J'aime bien l'histoire. C'est ce que j'enseigne. Où t'étudies? À Frenette. Ah ouais? C'est qui tes profs? Louis Dagenais puis Jean-Guy Brossois. Je connais pas. Ça te tente d'aller prendre un verre au village ou faut que tu rentres? Faut que je rentre. Juste un verre, ça te tuera pas. Je peux pas. T'appelles ta femme? Oh, t'as même pas besoin de l'appeler en fait. Juste un verre. C'est comme y mentir, ça? Ça donne quoi qu'elle sache? Là, mais si on commence à généraliser ça dans les couples, là, tout fout le camp. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste entre deux personnes s'il n'y a plus de sincérité? Hmm? Tout le monde ment, voyons donc. Non, je suis faux. Faux? Je veux dire, mentir, c'est refuser une part de la réalité, tu sais. C'est comme effacer des choses par peur ou par lâcheté. Pas nécessairement. T'es prof d'histoire, tu sais bien qu'il faut mentir des fois pour sauver sa peau ou celle des autres. Ça peut arriver qu'on mente pour une bonne cause, mais ultimement, tout se sait. Hmm?